Selena, Selena, enlève ton casque, coupe ta musique. Y a quelqu'un qui me parle? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit que t'avais pas le droit d'entrer dans ma chambre sans toquer. J'ai pas le temps là. En plus, t'es en train, t'as ton casque. Tu m'aurais même pas entendu. Ça a sonné à la porte. C'est mon meilleur ami qui vient. Donc, je voulais juste te prévenir de ne pas nous déranger, s'il te plaît. Mais pourquoi je peux pas passer du temps avec vous? Moi, je suis toute seule ce week-end, y a personne qui vient me voir. Et puis, les parents sont pas là non plus. Moi, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais non, c'est gênant si tu viens avec nous, t'es ma sœur. Et alors, entre sœurs, on peut passer du temps ensemble, non? Non, j'ai vraiment pas envie qu'après Lucas, ils disent à l'école et à tout le monde que, je passe du temps avec ma sœur. Trop la honte. Non. Alors, s'il te plaît, ne viens pas nous déranger dans la chambre, d'accord? Ouais, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, viens, rentre. On fait quoi? On va dans ma chambre, on fait des jeux sur Roblox, sur nos tablettes. Il faut que trop que je monte dans Blox Free, il faut que je prenne des niveaux. Je suis grave en retard comparé à toi. Moi, ça me va. En plus, j'ai débloqué voilà les nouveaux fruits, donc je peux t'en donner quelques-uns, viens. C'est bon, j'ai un meilleur niveau. Tu sais que là, je viens de dépasser le niveau de Camille. En même temps, Camille, elle est pas très haut niveau dans le jeu. C'est pas très difficile de la dépasser. Je te remercie, c'est grâce à ton fruit que j'ai pu monter aussi vite. Et puis là, tu sais, même ce soir quand tu vas partir, je vais continuer à jouer en secrète dans le lit. Quand mes parents vont me dire d'aller dormir, comme ça, je vais même monter tellement de niveau que je serai plus forte que toi. Ça, franchement, j'en doute. Impossible que tu me dépasses. Je suis meilleure que toi, ce jeu, et puis je suis meilleure de la classe en général. Attends, quoi? Je viens de me faire tuer dans le jeu. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a tué. Est-ce que c'est dans cette chambre que j'entends des larmes de seum? Parce que je viens de tuer quelqu'un sur Blox Free et je crois bien que c'est ma sœur. Salut Selena. Pas très cool de ta part de tuer ta sœur. Je rêve. Mais pourquoi t'as fait ça, Selena? T'es bête ou quoi? Fallait bien que je me venge vu que tu m'as pas invité à venir jouer avec vous. Ben Solène, pourquoi tu invites pas ta sœur à venir jouer avec nous? Plus on est, plus on rit, non? Non, y a pas moyen. C'est comme si je te demandais, vas-y, ramène ton frère. Malheureusement, je suis enfant unique. Si j'avais un frère, je pense que je voudrais bien le ramener ici. On rigolerait. On serait quatre, ce serait trop bien. C'est vrai, en plus, à quatre, il y aurait personne qui pourrait nous tuer dans le jeu. On viendrait, on les fumerait tous à quatre. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Vous êtes à deux contre moi, là, ça va pas. Je vais aller me chercher de l'eau. Franchement, ils m'ont saoulé. Qu'est-ce qu'ils ont toujours à se léguer contre moi, ces deux-là? Et puis ça arrive toujours à chaque fois que je l'invite Lucas à la maison. Selena, elle arrête pas de se mêler de nos affaires. Déjà de base, elle jouait même pas à Blox Free. Elle a commencé à y jouer juste parce que moi, j'ai commencé à y jouer. J'ai l'impression trop qu'elle me copie. C'est saoulant à force. Non mais vous faites quoi là? Ça va Selena? Tu t'es bien installée sur mon lit? T'as ta propre chambre, je te signale. Oh c'est bon Solène, et puis il y a encore quoi? Il y a un an j'étais dans cette chambre ici avec toi, c'est toujours un petit peu ma chambre. Justement, t'as un an de plus que moi, t'as le droit à la grande chambre. Donc s'il te plaît, laisse au moins le petit espace qui me reste rien que pour moi. Vas-y, c'est bon Solène, laisse-la ici avec nous. Non, elle a qu'à se faire ses propres amis. Allez Selena, du balai, reva dans ta chambre. Bon, d'accord, c'est bon, je m'en vais. Je veux pas créer du drame pour rien. En tout cas, merci beaucoup Lucas pour ton fruit. Je pense qu'il va beaucoup m'aider. Pourquoi tu lui as donné un fruit? Maintenant, elle va continuer à jouer et elle va m'embêter. Déjà qu'elle m'a tué.
C'est pas grave si elle t'a tué, je pense qu'elle voulait juste attirer ton attention, c'est tout. Et puis, de toute façon, t'as rien perdu, c'est qu'un jeu. Ça se voit bien que t'es un enfant unique, toi. Si tu avais un frère ou une sœur, je peux te dire que ça te mettrait bien la rage de te faire tuer par lui ou elle. Peut-être, mais par la suite, je me serais sûrement vengée. C'est vrai que c'est motivant à monter encore plus de niveaux. Comme ça, quand elle va venir, je vais lui mettre un beau petit one-shot dans sa tête. Elle va rien comprendre. T'aurais pas une arme aussi à me donner en plus du méga bon fruit là que tu m'as donné? Bien sûr, reprends ta tablette, je vais te donner une arme, elle est super légendaire. C'était quoi déjà le livre que je devais emprunter pour l'école? Ok. Waouh, mais c'est Léna que je vois là-haut avec Lucas? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont vraiment entendre parler de moi, ceux-là. Et vous deux, là, qu'est-ce que vous faites là? Eh oh, mademoiselle, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. C'est une bibliothèque ici. D'ailleurs, elle est passée où, votre carte? Vous pouvez pas rentrer comme ça. Oui, désolé, voici ma carte. C'est pas parce qu'on peut pas parler fort ici que je vais pas m'énerver. Pourquoi tu rigoles, Lucas? C'est pas drôle. Si, c'est drôle, tu t'énerves en ASMR. Mais d'ailleurs, Solène, pourquoi tu t'énerves? Comment ça je m'énerve? Je vais devoir vous virer si vous continuez à faire du bruit. C'est une bibliothèque ici. C'est pas Disneyland Paris, hein. Venez, on va dehors pour discuter. C'est vrai que c'est pas le lieu pour pouvoir nous disputer ici. Ouais, c'est ça, venez. Maintenant, je veux des explications. Pourquoi vous êtes tous les deux à la bibliothèque? Et pourquoi personne ne m'a prévenu? Je ne pensais pas qu'il fallait une autorisation spéciale de sa propre sœur pour aller à la bibliothèque. Arrête de faire semblant de ne pas comprendre. Tu sais très bien pourquoi je suis énervée. Je vous ai déjà dit, je veux pas vous voir ensemble là, c'est trop la honte. Comment ça, tu me voles mon meilleur ami? Solène, arrête de t'énerver, c'est pas de la faute à Selena. Écoute, c'est moi qui lui ai demandé pour qu'elle vienne m'aider pour mes devoirs. Toi aussi t'es venue chercher les livres pour le devoir qu'on doit faire, et pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Je voulais pas t'embêter, et comme j'ai déjà redoublé une fois, je veux pas redoubler une seconde fois, c'est très important pour moi de réussir mon année scolaire. Ta sœur, elle est un peu plus âgée, elle a un an de plus, et elle est quand même très très bien à l'école, elle a des super bonnes notes. Et alors, j'aurais très bien pu t'aider moi aussi. Excuse-moi, je veux pas te froisser, mais niveau notes, c'est limite si tu passes. Et comme c'est un devoir où on doit rendre individuellement, si on le fait ensemble, le prof, il va remarquer que nos copies se ressemblent. Je le prends un petit peu mal, mais tu as pas tort dans le fond. C'est vrai que si on fait ce devoir ensemble, il va penser qu'on s'est copié dessus et on va tous les deux avoir une mauvaise note. Mais c'est pas une raison, je comprends pas pourquoi vous m'avez pas prévenu. Peut-être car on savait que de toute manière, tu le prendrais mal et on ne voulait pas ça. Bon, ça va pour cette fois. Et vous avez fini là ou pas? On peut faire autre chose? J'ai envie de me changer les idées. On était sur la fin. On avait presque fini, mais je pense que la fin, je peux la faire moi-même. C'est déjà très gentil de ta part, Selena, de m'avoir aidé. Pas de problème. Et vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire maintenant? Comment ça, on? Toi, tu fais pas partie du plan. Je vais reprendre mon meilleur ami. Toi, tu vas aller vers tes amis à toi, tes propres amis et pas les miens. Et ça sera déjà pas mal comme ça. Solène, on n'est pas comme ça, on va pas la laisser toute seule. Ok, pour cette fois, on fait quoi? On va à la salle d'arcade. J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau jeu qu'on peut faire à 3 en plus, même à 4, mais bon, comme on est 3, tant qu'à faire, moi j'avais envie grave de le tester. Il y a pas mal de TikTokers qui en ont fait la promotion. On pourrait carrément faire un TikTok dessus. Si c'est un nouveau jeu, si on est les premiers à faire des TikTok dessus, on pourrait grave percer. C'est bon, j'abandonne, on va à la salle d'arcade. Venez. Selena, il y a papa et maman qui m'ont dit que je vienne te chercher parce qu'on mange. Tu peux descendre, s'il te plaît. Selena, est-ce que tu m'entends? Blackpink in your area. Selena. En plus, t'as reçu un message. Ouais, je vais aller voir, c'est peut-être important.
C'est un message de Lucas ? De mon Lucas ? De mon meilleur ami ? C'est quoi ce délire encore ? Lucas, mais qu'est-ce que tu fais là ? Salut, Selena. Ben, c'est Solène qui m'a donné rendez-vous au parc. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ah bon, t'es sûr ? Je pense pas qu'elle m'aurait donné rendez-vous aussi dans ce parc si elle t'a donné rendez-vous ici. Tu penses qu'elle a pu se tromper ? Non, non, je me suis pas trompée. C'était vraiment voulu. Parce que j'ai découvert quelque chose. Ah ouais, t'as découvert quoi ? Vas-y, partage l'information, on veut trop savoir, nous. C'est vrai ça, mais pourquoi tu m'as invité moi aussi ? Parce que d'habitude, tu veux jamais que je vienne quand il y a ton meilleur ami. Je viens de découvrir que ma sœur et mon meilleur ami sont de très gros menteurs. Hein ? Mais pourquoi tu dis ça ? Alors ça, c'est pas très gentil, mais ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi tu dis ça. Parce que vous faites des trucs dans mon dos. Je le sais maintenant, j'en suis sûre à 100%. En fait, vous êtes en couple. Non, arrête, tu te fais des idées. Je sais pas d'où tu sors ça, mais faut que t'arrêtes vraiment. Tu fais vraiment une fixette sur nous deux. Absolument pas. Tu sais, hier soir, je suis montée dans ta chambre et tu sais, j'ai pris ton téléphone. T'étais à fond dans ta musique là, je sais pas ce que tu faisais, tu dansais là, Blackpink là. Et puis ben, je suis allée voir et j'ai vu le message de Lucas sur ton téléphone. J'ai tout vu, je sais, pour votre relation secrète. D'accord, bah je pense qu'on n'a plus besoin de lui cacher, hein, Selena, on peut lui dire la vérité. Oui, Lucas, on peut lui dire, mais je trouve ça pas cool d'avoir fouillé dans mon téléphone, ça se fait vraiment pas. J'ai pas vraiment eu besoin de fouiller, puisque quand je suis arrivée dans ta chambre, c'était affiché sur l'écran. Tu venais de recevoir le message. Écoute, oui, moi et Lucas, on est en couple et on ne voulait pas que tu le saches parce que, ben, déjà à la base, tu voulais même pas que je traîne avec vous et je voulais pas m'incruster et je voulais pas que tu penses que je suis en couple avec ton meilleur ami pour te faire du mal parce que t'es ma sœur et que, entre sœurs, on est forcément obligé de se détester. C'est pas vrai, je t'aime vraiment beaucoup, t'es ma sœur et c'est pour ça que j'ai caché cette relation. Oui, on te l'a caché pour pas que tu le prennes mal, c'est tout. Lucas, c'est bon, je vais assumer toute seule. Lucas n'a rien à voir là-dedans, justement. Lui, au contraire, il voulait te le dire. Et c'est moi qui ai vraiment forcé pour pas qu'il le fasse, parce que je voulais pas que tu me détestes plus que tu me détestes déjà. Tu penses vraiment que je te déteste ? Si c'est pas de la haine envers moi, je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à l'interpréter. Moi, je veux juste passer du temps avec toi. Mais je te déteste pas. Mais pas du tout. C'est juste que je pense que, voilà, on doit juste avoir deux vies, entre guillemets, séparées. Il y a la vie familiale, on passe du temps ensemble et tout, c'est trop cool. Et je t'aime, t'es ma sœur. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi avoir ma vie individuelle en dehors de la famille, avec mes réseaux sociaux, les gens que j'aime bien, les potes et tout. Et je veux pas forcément que tu sois partout dans toutes mes relations, c'est juste ça. Ça n'a rien à voir que je te déteste. Rien à voir du tout. Ok, je comprends mieux et je suis désolée, mais j'aurais bien aimé que tu me dises ça, tout ça avant pour que je comprenne. J'espère que tu ne nous en veux pas pour t'avoir caché ça. Je vous en veux un peu quand même, parce que ça m'énerve que vous m'ayez caché ça et que vous n'ayez pas eu assez la confiance envers moi pour me le dire. Mais d'un autre côté, je me dis quelque chose. Ah bon ? Quoi ? Tu sais, maman, elle nous dit toujours les amis du collège, du lycée, c'est juste des amis et que plus tard, on va les perdre dans notre, entre guillemets, dans nos relations. Parce qu'après, il y aura les collègues de travail, etc., etc. Et qu'on va certainement couper les ponts, donc il faut qu'on se concentre sur nos études, blablabla. Mais je me dis qu'au final, si vous vous mariez ensemble, eh ben en fait, Lucas, il sera toujours là dans la famille, il sera toujours mon meilleur ami, jusqu'à ce qu'on soit des vieux. Dit comme ça, t'es vachement optimiste. Mais ça fait plaisir, mais tu sais, moi je comptais pas couper les ponts après le lycée avec toi, hein, sache-le. Je suis vraiment contente que ça se termine comme ça. Et j'ai vraiment un poids qui s'enlève de mon corps, comme un énorme boulet de canon. Et maintenant, on fait quelque chose ? On n'est pas venu dans ce parc pour se regarder dans les yeux quand même. Oui, j'ai prévu quelque chose avec mon meilleur ami, mais pas avec toi. Tu sais, c'est pas parce que j'accepte votre relation qu'on va maintenant traîner tous les trois ensemble. J'accepte que Lucas te voit, mais moi aussi, je veux avoir des moments seuls avec mon meilleur ami. D'accord, mais à ce rythme, il va falloir qu'on fasse une garde partagée pour toi. Arrêtez de parler de moi comme si j'étais un enfant, ça devient bizarre là quand même.
votre délire. J'ai acheté 4 places de cinéma. Moi et Lucas, on va aller voir le nouveau film de Spielberg. Je comprends pas, si vous allez tous les deux au cinéma, pourquoi t'as pris 4 places? Comme je suis vraiment la meilleure des meilleures amies. Bah du coup de toi Lucas. Bah en fait je suis aussi la meilleure des meilleures petites sœurs et j'ai pris 2 places de cinéma pour ce soir, pour vous deux. Sérieux? Oh non, je t'adore, je t'aime trop, t'es ma petite sœur préférée. Allez, je vous laisse. Faut que je me prépare pour mon rencard de ce soir. Et oh, Selena, on est d'accord que ton rencard de ce soir, c'est moi, hein? Peut-être bien, ou pas. The minute till we sisters sign off. So if you're not with a wave, bye bye bye. Babe, I got a third eye. I don't do receipts. I'm a witch. Fill me up for my switch. I'm a bitch. I'm a devil in disguise.